bonjour à tous, bonjour Olivier Rigaud. J'ai l'immense plaisir de passer un bon moment avec Monsieur Olivier Rigaud, qui d'ailleurs est financier, écrivain et l'auteur d'un premier roman. On va beaucoup en parler aujourd'hui, mais on ne va pas parler que de son roman, on va aussi parler de vous, de qui vous êtes en tant que professionnel, en tant qu'être humain, puisque c'est très intéressant, et puis évidemment l'auteur et le romancier. Nous sommes aujourd'hui au lounge bar 5e étage de l'hôtel Métropole. J'ai en face de moi le jet d'eau et Olivier Rigaud a en face de lui la cathédrale Saint-Pierre. Donc on est gâtés par ce magnifique soleil à Genève et ce superbe paysage. Alors donc, 2 juin 2017, Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour Manuela, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin-là. Pour nous aussi, c'est un véritable bonheur. Je vais vous présenter en quelques mots peut-être. Volontiers. Et je vous demanderai de rajouter mes oublis. Donc vous êtes né le 22 août 1961, vous aurez 56 ans cette année. Vous êtes marié depuis le 22 août 1992, donc vous avez 25 ans de mariage, ou vous aurez, parce que je crois que c'est au mois d'octobre. Donc vous êtes, comme vous le dites vous-même, un pur produit genevois, avec une éducation traditionnelle genevoise protestante, vous me dites, et je me trompe, calviniste. Donc votre nom de famille Rigaud est d'origine française, plutôt parisienne. Et dites-moi plus, un tout petit peu plus sur vous par rapport à cette présentation très courte. J'aime bien dire que je suis un enfant du lac. Je suis né proche des berges du lac et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a donné l'amour du lac, et j'ai besoin tous les jours en me levant de voir ce beau plan d'eau. Pour moi, une belle journée d'été, c'est une journée où je me lève très tôt le matin. Je vais faire du paddle ou du skiff sur le lac, lever du jour. Et l'après-midi, je navigue sur mon voilier en famille. Je me suis passionné pour l'économie, ensuite la finance, les marchés financiers. Et je garde ce goût, cette passion pour la compréhension de notre monde à travers l'économie, la finance, la géopolitique, etc. D'accord. Donc géographie, chiffres, on est très loin du roman. Hein, là, pour l'instant. Est très très loin du roman. J'ai suivi un parcours scientifique. Mon père était ingénieur et j'étais un petit peu dans cette voie-là jusqu'au jour où je me rendais compte que j'aimais bien les chiffres, mais pas suffisamment pour devenir un ingénieur. Et je me suis orienté vers l'économie. On travaille beaucoup avec les chiffres, évidemment, mais dans un contexte très différent. D'accord. Si je peux permettre de vous présenter professionnellement, donc vous avez parlé du Collège Calvin, vous adorez les eaux vives puisque c'est votre quartier. Vous écrivez aussi, je ne sais pas si c'est de façon récurrente, mais en tout cas des articles dans des magazines économiques. Vous avez écrit plusieurs essais. Vous êtes associé donc dans une société de gestion de fortune depuis 1997, que nous pouvons tout à fait nommer ici, qui s'appelle EMC Gestion de Fortune SA. Donc vous étiez partenaire depuis 1997 et vous avez rejoint cette société en 1995. Exactement. Voilà. Donc vous avez un parcours de gestionnaire de fortune dans différentes institutions bancaires de la place, donc rien ne vous prédestinait à écrire un roman? Absolument rien, voilà. Effectivement. D'où l'intérêt de cette interview, parce qu'on est tous suspendus à vos lèvres, si on peut dire ça comme ça, et à votre stylo pour en savoir plus. Donc, là, nous avons présenté le professionnel académique. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, et vous allez nous dire maintenant, nous raconter un peu, à quel moment vous avez décidé de prendre un stylo ou le clavier d'un ordinateur et de commencer à coucher des mots sur un papier? Exactement, c'est toute une aventure. S'il y a 10 ans encore, vous m'auriez dit qu'en 2016, je sortirais un roman, je ne vous aurais jamais cru. C'est la beauté de la vie. Il y a des parcours comme ça, tout d'un coup, des chemins de traverse que l'on prend. Alors, comment est-ce que ça m'est venu? À l'origine, donc comme je l'ai évoqué, j'ai suivi un parcours plutôt scientifique. Je détestais les dissertations au collège. J'étais même franchement assez nul. Par contre, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup apprécié les grands auteurs français. Dans mon parcours
parcours professionnel, j'ai beaucoup écrit comme analyste financier, comme économiste, comme stratégiste d'investissement. J'aime bien de temps en temps écrire des articles pour des journaux. J'exprime mon opinion, souvent de manière assez tranchée. Et puis un jour, c'était en été, l'été 2008, après les vacances, j'avais lu un certain nombre de romans et je me suis lancé le défi d'écrire un roman. C'était purement un défi intellectuel et personnel. Et j'ai commencé à écrire un roman, un premier manuscrit, un deuxième. Celui-ci, Un homme sous emprise, est le troisième, qui était le manuscrit le plus abouti, le plus travaillé, et qui est sorti de presse en septembre 2016. Donc on va parler d'Un homme sous emprise, d'Olivier Rigaud, aujourd'hui, donc, qui est votre premier roman édité, donc le troisième manuscrit le plus abouti. Donc évidemment, on va en parler beaucoup plus en détail. Ce qui très, très certainement et très sûrement intéresse toutes les personnes qui vont donc nous regarder et vous entendre, c'est surtout, d'abord et avant tout, on va dire, l'écrivain. Donc on est en été 2008. Pourquoi un roman ? Pourquoi un roman ? Parce que c'est une fiction, c'est une manière de s'échapper, c'est une manière de créer son propre monde. Mm-hmm. À nouveau, je travaille dans un monde que j'aime beaucoup, qui est la finance, les marchés financiers, mais nous sommes dans un monde virtuel dans lequel on ne maîtrise strictement rien. On élabore des scénarios en permanence, mais on n'a aucune prise sur la matière. La beauté de l'écriture, la beauté de la fiction, de l'écriture d'un roman, c'est que vous créez votre propre monde, dont vous êtes totalement maître. J'aime bien dire que vous avez droit de vie et de mort sur vos personnages. Et l'écriture m'apporte cet équilibre entre ce monde virtuel que je ne maîtrise pas et ce monde tout aussi virtuel, mais que je maîtrise totalement à travers la construction d'un roman. Alors, je suis très tentée de vous poser une question. Est-ce que le roman dont nous allons parler, Un homme sous emprise, est une autobiographie ? Alors, c'est la question que me posent beaucoup de gens. J'aime bien répondre en disant qu'un auteur, c'est un voleur de vie. Un romancier, c'est d'abord un bon observateur de la vie. Alors, j'imagine, un bon observateur de la vie économique et financière, mais aussi, curieux de nature, un bon observateur de la vie qui nous entoure. Je pense que ce que je peux apporter à travers mes romans dans l'écriture, c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire que j'ai une activité professionnelle depuis bientôt 35 ans dans le monde du business, dans le monde des affaires, dans le monde de la finance. J'ai vécu au cœur des salles de marché de trading. Et ce qui m'intéresse, entre autres, parmi les thèmes que j'aborde dans mon roman et dans d'autres, c'est la relation entre les hommes et les femmes au travail, la place des femmes dans le monde hyper compétitif dans lequel nous sommes aujourd'hui, les femmes qui doivent devenir des guerrières pour se vivre dans le monde de l'entreprise, le monde du business. Et moi, ce qui m'intéresse à travers les romans et à travers certains personnages qui traversent le roman Un homme sous emprise, c'est de retrouver la femme, le côté féminin derrière la façade que les femmes aujourd'hui doivent se créer dans le monde professionnel. Donc ça ouvre un horizon, vous imaginez bien, très large. J'ose vous dire, on a un personnage principal qui est un homme, qui s'appelle Michel, et on a, j'ai compté, je crois, entre 7 et 8 femmes qui sont les héroïnes. Toutes elles sont héroïnes dans leur rôle, on va dire, de ce roman. Alors, c'est la première chose qui m'a étonnée. Alors, moi, je dois vous dire que quand j'ai su que nous allions passer un moment ensemble pour parler d'Un homme sous emprise, je me suis dit, bon, évidemment, je vais lire. La première chose que se doit une personne qui passe un moment avec un auteur, c'est de lire son livre. Et puis, je me suis dit, en lisant le résumé que je vais lire maintenant, de quoi il s'agit, donc c'est un thriller des sentiments masculins, si on résume ça, je me suis dit,
Manuela, tu vas peut-être apprendre quelque chose, finalement. Comme toute femme digne de ce nom, on va dire, je vais apprendre quelque chose sur les sentiments masculins. Parce que comme nous, on est un mystère pour les hommes, nous les femmes, alors vous, vous en êtes un aussi pour nous. Alors je me suis dit, peut-être ça va être une belle leçon. Alors c'est la question que l'autre question que je suis tentée de vous poser, c'est, de quoi vous vous êtes inspiré pour créer vos personnages, notamment celui de Michel, qui est notre héros, aujourd'hui d'un homme sous emprise, et les femmes qui vont virevolter autour de lui tout au long du roman. Est-ce que vous vous êtes inspiré de modèles que vous avez autour de vous? Est-ce que Michel existe ou est-ce que vous l'avez créé de toutes pièces? Alors effectivement, j'ai trouvé intéressant d'utiliser comme personnage principal du roman le designer. Le métier de designer est relativement méconnu et les personnalités aussi. Et ce sont des gens qui sont extrêmement intéressants et j'en ai côtoyé dans ma vie. Ce sont des gens qui doivent à la fois être des créatifs, avoir de l'imagination, être avant-gardistes et anticiper les modes. Donc là aussi, ce sont des gens qui sont des observateurs de la société, du monde actuel. Donc ils doivent avoir cet esprit créatif, mais ils doivent aussi avoir des connaissances techniques extrêmement développées, puisque par exemple, ils vont concevoir des montres. Une montre, c'est un processus industriel qui est complexe. On travaille au millimètre, donc on n'est plus dans l'artiste qui va jeter des pots de peinture sur une toile blanche. Et ce sont des personnalités intéressantes, complexes, peu utilisées, je pense, dans les romans. Et voilà, c'est ce qui m'a conduit à choisir le designer. Ouais. S'il avait été informaticien ou comptable, ça aurait été peut-être moins glamour. Je pense que comptable, ça aurait été certainement moins glamour. Donc après, évidemment, au fil du roman, on comprend aussi les raisons de votre choix, évidemment qu'on ne va pas révéler aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que dans le but d'écrire donc un roman autour d'un personnage qui est libertin, on saura au fil de l'histoire pourquoi. Et en tout cas, si on étudie le profil psychologique des personnages, on comprend encore mieux. Est-ce qu'un homme, en général, avec un petit H, cherche aussi les grands amours? Bien sûr. L'amour. Ils n'en parlent pas souvent. Hein. Enfin, vous n'en parlez pas souvent, les hommes. Oui. L'amour est universel. Et ce que je voulais évoquer parmi tous les thèmes que j'ai évoqués dans le livre, à nouveau, c'est d'abord pour moi, avant tout, un roman psychologique sur la psychologie masculine, oui, sur la recherche du grand amour. Et je pense que tous les hommes sont à cette recherche-là. J'ai voulu aussi évoquer la souffrance masculine dans les relations humaines et dans le rapport avec les femmes. Je pense que les hommes sont très pudiques, on parle peu, mais ils souffrent autant que les femmes, voire peut-être même parfois plus. Et puis ce que j'ai voulu aussi montrer à travers ce roman, c'est qu'un homme peut-être un libertin, un coureur de jupons, mais beaucoup d'hommes ont souvent une femme dans la tête jusqu'à l'obsession. Oui. Quel est pour vous le lien entre ce qu'un homme peut vivre au niveau des sentiments, donc je recherche la femme de ma vie avec qui je dois avoir une vie intime équilibrée, puisque on le dit, on le sait, que finalement la relation intime et le sexe est quand même le ciment du couple, à un pourcentage plus ou moins élevé, on ne va pas en faire une généralité, et finalement de dire la peur de l'engagement, d'accord, puisqu'on retrouve dans le roman qu'on ne va pas révéler aujourd'hui, mais qui est quand même un des sujets phares, c'est l'engagement. Et ce qui m'a personnellement étonnée en tant que lectrice, c'est pas l'engagement de l'homme, parce que lui, il a très envie, inconsciemment, d'ailleurs on le voit dans ses pensées, dans sa manière d'analyser sa vie, mais c'est le manque d'engagement des femmes dans ce roman. Exactement, et c'est un des aspects que je voulais montrer à travers ce film, à travers ce livre, c'est ce que j'appelle... C'est peut-être un lapsus. Oui, c'est peut-être un lapsus. Peut-être qu'un jour, ça pourra faire un bon scénario de film. Je suis certaine. mais effectivement, ce que j'avais envie de montrer, c'est aussi à travers l'observation que je peux en faire à travers ma vie professionnelle où je rencontre beaucoup de femmes, c'est que l'on constate qu'aujourd'hui, les femmes... sont moins enclins à vouloir s'engager dans une relation amoureuse et construire une vie de famille avec un partenaire.
Et c'est la difficulté qu'ont les femmes aujourd'hui de conjuguer une carrière professionnelle intense avec une vie de famille qui implique nécessairement un certain nombre de sacrifices. Donc j'ai pris à travers le roman un certain nombre de personnages différents. J'ai voulu aussi montrer, en utilisant un personnage qui est une sportive de haut niveau, ces gens qui sont prêts à sacrifier leur vie sentimentale pour atteindre un objectif sportif. Donc nous parlons du personnage d'Hélène. Hein? En l'occurrence, c'est Hélène, effectivement. Donc voilà, c'est la carrière face à la construction d'une vie privée. Sentimentale. Ouais. Qu'est-ce que pour vous, parce qu'on va aborder les thèmes, hein, on va pas raconter l'histoire, mais on va peut-être aborder les thèmes que vous avez abordés dans les presque 300 pages de votre roman qui est tout à fait passionnant. Je vous disais tout à l'heure que j'ai passé 3 jours avec vous alors que j'avais beaucoup de travail, mais toutes les heures qui étaient libres, je les passais avec un homme sous emprise. Et c'est un roman qui est captivant et qui vous embarque dans les thèmes que vous abordez. Et un des thèmes que vous abordez notamment, c'est la complexité, notamment des femmes, puisqu'on a dit qu'il y a beaucoup d'héroïnes et un seul héros du roman, qui ont ce double chapeau, soit d'avoir des missions. On parle de Yousra qui part pour sauver, on parle d'Hélène qui est une cavalière émérite, on parle d'Alessandra qui est une financière incroyable, donc on fait un petit clin d'œil par rapport à votre carrière à vous, et j'en passe, parce que j'ai pas cité toutes les héroïnes encore, mais c'est cette espèce de tiraillement entre une vie professionnelle où on a besoin d'être épanoui en tant qu'individu et une vie amoureuse où on a aussi besoin d'être épanoui. Et j'imagine que les hommes, donc on parle de Michel dans le roman, mais des hommes en général, ont envie de trouver cet équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire avec ça? Alors, effectivement, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir réussi à trouver cet équilibre. Avec une femme qui est très active, qui est très, très indépendante, mais avec laquelle on a réussi à construire une vie de famille, élever 2 enfants, etc. C'est le secret du bonheur, Olivier? Certainement. Je sais pas, parce que peut-être il y a des gens qui ont envie de savoir quel est le secret du bonheur. Le secret, c'est que tous les jours, il faut le construire, il faut s'y atteler, il y a forcément des moments qui sont difficiles. Mais à nouveau, c'est une belle aventure. L'aventure de la famille est une aventure extraordinaire et qui vaut la peine d'être vécue. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Est-ce que les hommes sont tiraillés entre leur profession et leur envie de vivre, d'avoir une vie intime, privée, émotionnelle, puisqu'on parle maintenant des émotions masculines? On n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant. En tout cas, pas de cette manière-là, en disant les hommes ont aussi des émotions, ils souffrent aussi. Ouais. Ils ont aussi envie de ce grand amour-là. C'est pour ça que c'était nous, les fleurs bleues. Mais en fait, non, les hommes aussi ont envie. Absolument. Je pense que les hommes ont tous un idéal d'amour. Ils ont tous une femme dans la tête jusqu'à l'obsession, tout en sachant peut-être que c'est un amour impossible à concrétiser. Oui, les hommes ont besoin de rêver. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, les hommes sont beaucoup plus casaniers que les femmes. L'homme, il a besoin de stabilité, il a besoin de créer un nucléus familial, alors que les femmes ont peut-être davantage peur aujourd'hui de s'engager dans ce processus-là. Est-ce que vous pensez que les hommes adultes peuvent être confrontés à ce genre de questionnement et de problématiques parce qu'il y a un certain nombre de défis dans l'enfance? C'est sûr, à nouveau, moi je ne suis pas un psychologue, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, mais on le sait bien, on a tous été conditionnés par notre enfance. Moi j'aime bien dire, on n'échappe pas à son éducation, on reste prisonnier. Donc, il y a une influence clairement. Mais c'est sûr, les relations avec sa mère. Et d'ailleurs, pour moi, c'est dommage, les gens m'en parlent pas suffisamment, mais pour moi, le plus beau chapitre, c'est le chapitre où il va voir sa mère à l'hôpital. Tout à fait. Chaque fois que je relis le texte, je l'ai relu encore récemment pour préparer la réédition pour le marché français, ce chapitre, pourtant je l'ai écrit, je l'ai relu des dizaines de fois,
me crée toujours une émotion particulière. Et des gens m'ont dit, mais là, c'est du vécu. Ben non, c'est pas du vécu. J'ai la chance d'avoir ma mère en bonne santé, qui ne souffre d'aucune maladie. Mais pour moi, c'est clairement le chapitre où il y a le plus d'émotions, quelque part, qui, pour moi, est le plus réussi. Et oui, ben ça, on le voit bien au fil du roman que sa mère et ce manque d'amour, parce que sa mère était par Mont et par Beau, a conditionné la suite de sa vie. On a le sentiment, quand on lit ce chapitre, qui est effectivement très émouvant, que le héros reconstruit avec sa mère cet amour inconditionnel qu'il aurait aimé finalement peut-être vivre de différentes manières et différemment, sans dévoiler le fil de l'histoire. Et au fond, il a comme 5 minutes de bonheur avec, en vivant finalement, il reçoit ce cadeau-là à cet instant précis. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, ce héros, le pauvre, il va vivre les 5 blessures fondamentales et en permanence tout au long des 300 pages. On parle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. Est-ce que vous avez fait exprès ? C'est un pur hasard ? Alors, c'est sûr que... C'est pas évident, 300 pages. Hein. C'est pas une vie. Hein. Là, on parle d'une année, peut-être deux. Ouais. C'est vrai que finalement, ce héros, il doit quand même être solide parce que il en prend. Mais là, l'auteur, Olivier Rigaud, vous ne faites pas de cadeau à Michel. Non. Est-ce que vous avez un Michel autour de vous ? Alors, un nouveau. Ces personnages, tous ces personnages, quelque part, ils sont inspirés d'un entourage. Puis à un moment donné, ben, vous prenez des gens existants, vous les fusionnez, puis vous créez un personnage nouveau. À nouveau, on est des observateurs de la vie, puis on va s'approprier les personnages en gauche à droite. Est-ce que vous avez envie de nous dire un tout petit peu plus sur les autres héroïnes ? Donc, nous avons évidemment l'assistante, hein, Isabelle. On a la sœur Martine, donc elles arrivent toutes au fur et à mesure, tout le long des pages, et à tour de rôle, hein. Elles sont jamais en même temps. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles ne se croisent pas forcément, ou si elles se croisent, on ne sait pas qu'elles se sont croisées. Donc il y a évidemment Alessandra, on a Florence Dupuis, hein, qui est cette directrice riche, puissante, évidemment on a Hélène, on a la mère de Michel, et on a Yousra. Et Yousra qui aussi a ses batailles, hein, sont différentes des autres, mais elles ont chacune leur bataille, hein, finalement. C'est assez intéressant. Et chacune a des niveaux différents. Donc il est en permanence, on va dire, confronté à des femmes avec chacune leur bataille. Elles ont finalement leur monde et finalement, il passe vraiment en second. Hein, il passe en second plan vis-à-vis de toutes ces femmes. Oui, quelque part, à nouveau, l'idée, c'est qu'il flotte dans cet univers-là. Ces femmes qui sont toutes des femmes fortes, ce sont des femmes de caractère, ce sont des femmes ambitieuses, ce sont des femmes travailleuses qui, alors après on peut les aimer ou pas les aimer, mais oui, quelque part, dans notre société et depuis toujours, la femme est beaucoup plus forte que l'homme, beaucoup plus travailleuse que l'homme. Et notre société moderne a permis aux femmes modernes de s'épanouir dans les études, dans le travail. Moi, ce que j'admire toujours chez les femmes, c'est cette force de travail qu'elles ont. Nous, les hommes, on est assez fainéants, finalement, on se contente assez vite de ce qu'on a. Olivier Rigaud, avec la carrière que vous avez, ceci m'étonne de vous, parce que vous avez quand même brillamment réussi et vous êtes encore, vous travaillez encore et vous réussissez brillamment dans votre carrière. Donc oui, fainéant, ou alors vous avez de la facilité dans les études et finalement ça a été un claquement de doigts. Vous avez quand même beaucoup travaillé pour être arrivé où vous en êtes. Oui, bien sûr, je pense que la principale qualité que j'ai qui me vient de mon père et mes fils ont cette même qualité, c'est qu'on est persévérant. On se fixe des objectifs et on persévère pour les atteindre. Et la preuve en est, c'est qu'il y a eu 3 manuscrits avant que le 3e soit édité. Donc ça prouve quand même votre persévérance par rapport à votre premier roman. J'ai envie, si je me concentre sur Un homme sous emprise et l'héroïne Alessandra,
Il y a une phrase que j'ai lue, ne me demandez pas où, mais elle est restée dans ma tête, qui dit, donc j'ouvre les guillemets parce qu'elle ouais. elle ne m'appartient pas, tu voulais tout et moi je ne voulais que toi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se coller au personnage d'Alessandra finalement ? Oui, alors ce personnage d'Alessandra, il est aussi extrêmement complexe. C'est une femme qui a tout sacrifié pour s'élever socialement et qui a sacrifié très clairement l'amour qu'elle a, qui était partagé. Il faut bien comprendre que ces deux êtres se sont aimés à un moment donné, mais que par ambition personnelle, elle a passé par-dessus cet amour pour s'élever au firmament ouais, ouais. De sa carrière, ouais. de sa vie sociale, etc. Mais est-ce qu'une femme qui prend ce parcours-là doit s'assécher au niveau des émotions? Parce qu'on sent chez elle, en tout cas de la manière dont vous le décrivez, qu'elle est totalement vide, comme un puits sans eau, de toutes ses émotions. Ou alors, en tout cas, elle se force à être comme ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment son cas ? C'est exactement ça. Elle ne veut pas montrer ses émotions, surtout vis-à-vis de Michel. Mm-hmm. Parce que, à nouveau, c'est quand même une femme dominatrice. C'est une femme qui a besoin de reconnaissance, mais qui a besoin de dominer cet homme. À nouveau, pour revenir à la discussion que l'on avait tout à l'heure sur le couple, qu'est-ce qui fait qu'un couple marche aussi sur la durée? C'est lorsque le couple est à égalité. Dès le moment où l'un prend l'ascendant sur l'autre, que l'on est dans un rapport de domination-soumission, c'est certain qu'à un moment donné, ça pète. C'est ce qu'on appellerait le paradoxe d'aimer et être aimé, finalement. Et c'est quelque chose qui se fait à tour de rôle. Il y en a à des moments, un qui aime plus que l'autre. Et au fond, trouver cet équilibre entre aimer et être aimé. Et quelque part, on est un petit peu sous emprise, mais à tour de rôle. Mais évidemment, pas dans l'extrême de votre roman. On est d'accord, puisque c'est quand même un cas très particulier. C'est le sujet de votre roman. Moi, j'ai envie de lire un deuxième petit extrait, si vous permettez. Qui est toujours d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée au chapitre 14. c'est un petit peu finalement la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure. A-t-on encore une chance de s'en sortir? Il faudrait un miracle. Il y a comme une contradiction du temps. Des situations qui devraient se développer en 6 mois ou une année se déroulent en un week-end. On fusionne des sociétés qui emploient des milliers de personnes, qui ont des bilans de plusieurs dizaines de milliards de dollars et des engagements avec la terre entière sur un coin de table, dont la précipitation sur une page A4. Le Titanic a heurté l'iceberg, la coque est fendue, l'eau s'engouffre dans les cales et l'orchestre joue encore, les gens boivent et dansent en sachant que dans quelques instants, la mer va les engloutir. C'est Michel dans toute sa splendeur tout au long du roman. Il s'enfonce dans des situations et dans des relations dont il sait pertinemment qu'elles ne vont pas aboutir. Et avec ce côté éphémère, parce que vous parlez d'argent, puis alors on y est, dans l'argent, les millions de dollars, et dans un coin d'une table, donc tout est éphémère. Le petit dessin au coin de la table, l'argent est éphémère, la relation est éphémère, si on fait un parallèle. Et ça, c'est vraiment la partie qui suit totalement le morceau que j'ai lu tout à l'heure, qui définit en fait un espèce de monde qui est en train de s'écrouler, en tout cas la vision du monde qui s'écroule. Mais effectivement, mais il y a des gens comme ça qui ont tout, qui ont tout pour être heureux et qui refusent le bonheur présent et qui adorent se mettre dans des situations impossibles. Ils savent qu'ils sont dans une situation impossible et qui ont à cœur de se prouver que par leur intelligence, ils vont réussir à s'en sortir. Alors ça peut être dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent, dans les relations humaines, où vous savez, et c'est peut-être aussi le sous-jacent à ce roman, Michel, Alessandra, Michel, il sait pertinemment que c'est un amour impossible, parce qu'il ne partage pas les mêmes valeurs qu'Alessandra. Elle, c'est une arriviste, c'est une opportuniste, c'est une nouvelle riche. Lui, ça ne l'intéresse pas, ça.
Lui, c'est un artiste, il a envie de créer. Il aime cette femme, mais il sait que c'est aussi un amour impossible. Il y a cette contradiction permanente. Et il y a cette envie de vraiment vivre le grand amour sans oser aussi faire le pas. Ouais. C'est vraiment cette, et après, il y a la fuite. Mais finalement, ils sont tous les deux dans des mondes éphémères. Elle est dans le monde éphémère de l'argent et lui, il est dans le monde éphémère du sexe. Ouais. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que de temps en temps, on vous décrivez de l'alcool ou un repas qui sont des fuites donc à finalement des frustrations qu'il vit. On parlait de médicaments tout à l'heure. Moi, ce que j'ai envie de vous dire et peut-être conclure avec une ou deux questions. Tout d'abord, bon, c'est un roman qui se lit avec une facilité absolument désarmante. J'étais ravie de... Je ne suis pas une liseuse de romans, mais là, je pense que je vais m'y remettre, du coup. Parce que moi, je lis beaucoup de choses professionnelles, probablement comme vous, dans des sphères différentes. Mais là, j'ai trouvé que non seulement... C'était un roman, mais on apprend quelque chose. Et on a l'impression de sortir plus intelligent. Ou en tout cas, plus intelligent, se dire, on va peut-être aborder nos relations en ce qui concerne les femmes, avec les hommes de façon totalement différente. Et je vous remercie parce que ça a été une vraie thérapie, ce moment passé avec vous. Donc je me suis dit, je vais tirer une leçon et peut-être qu'à mes prochains rendez-vous ou en tout cas réseautage, je vais avoir un autre comportement. Donc, un homme sous emprise, Olivier Rigaud, j'avais envie de vous dire, quel est votre mot, votre phrase qu'on a envie de retenir, vous avez envie de nous faire partager face à ce merveilleux roman Un homme sous emprise, donc votre premier roman? Alors, effectivement, vous l'avez résumé, j'ai voulu construire un roman moderne, un roman urbain. J'ai pas voulu être moralisateur ou quoi que ce soit. C'est une tranche de vie qui illustre notre société actuelle avec toutes ces contradictions. On l'a évoqué, les hommes qui sont perdus face aux femmes modernes à travers un certain nombre de personnages qui traversent fugacement ce roman. D'accord. Une dernière question, donc nous sommes aujourd'hui à Genève, donc au cinquième étage du lounge bar de l'hôtel Métropole. J'ai en face de moi le jet d'eau, vous avez en face de vous la cathédrale. Mais ce roman se déroule à Paris, à New York. Oui. Il y a plein de gens qui se posent la question, pourquoi ? Alors, effectivement, j'aurais eu beaucoup de peine à situer la trame du roman à Genève. Pour moi, quelque part, c'était un petit peu trop étriqué. En l'occurrence, je connais très bien New York et Paris. Ce sont des villes où j'ai du plaisir à me promener. J'ai travaillé à New York à l'époque lorsque j'étais broker chez Merrill Lynch. Et puis, j'avais besoin de se perdre dans ces mégalopoles. Donc, ce sont deux places qui correspondaient très bien à la trame de l'histoire. D'accord. Alors, Olivier Rigaud, merci infiniment pour ces longues, précieuses et minutes de bonheur qu'on a eu la chance de partager avec vous. Donc, votre premier roman, Un homme sous emprise, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Jetez-vous dessus parce qu'il y a une chose que je vous conseille, c'est le bonheur que vous allez avoir à le lire et à partager. Et mesdames et messieurs, apprendre plein de choses sur les relations hommes-femmes et les sentiments masculins. Merci beaucoup Olivier. Merci pour votre temps. Olivier Rigaud, j'aimerais parler un peu avec vous de votre prochain projet que vous avez intitulé d'une façon provisoire pour l'instant « L'héritage des Templiers ». Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce titre ? Alors en fait c'est mon premier manuscrit, c'est le premier manuscrit sur lequel j'ai travaillé, qui a dormi dans les cartons pendant longtemps, que j'ai ressorti après la publication d'Un homme sous emprise, donc ça fait presque une année que je retravaille sur ce manuscrit. C'est une belle histoire, une histoire que j'aime bien, une histoire totalement différente d'Un homme sous emprise, même si on revient toujours à ce thème des relations entre les hommes et les femmes actives, femmes de pouvoir, femmes puissantes, etc. Mais à travers un thriller, un véritable thriller que j'appelle un thriller en anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est un grand roman, à la fois un roman policier, roman noir,
une belle saga de vie, une belle histoire d'amour qui se construit au fil du roman, avec une dimension un petit peu ésotérique, mm-hmm. liée au nombre d'or et au carré magique des premiers chrétiens. Voilà, ce sera un grand roman qui sortira au printemps de l'année prochaine. J'invite les gens à prendre en vacances et à lire tranquillement sur les plages en été. Donc on se réjouit de pouvoir avoir la chance et le bonheur de lire, nous l'espérons, nous attendons avec impatience, L'héritage des Templiers, qui est un titre provisoire autour de mai 2018. Voilà, exactement. Voilà. Alors on se réjouit de vous retrouver, Olivier Rigaud. Merci Manuela. Et on vous remercie beaucoup pour ces moments passés ensemble. Et donc voilà, je vous rappelle, le premier roman d'Olivier Rigaud, Un homme sous emprise. Merci beaucoup Olivier. Merci Manuela, à bientôt.